Et il est où Loïc Pontieux là Ça m'aurait bien arrangé qu'il soit là cette semaine aussi parce que la semaine dernière on a fait du monde. Générique Bonjour à tous, bienvenue sur French Channel et bienvenue dans une vidéo de circonstance parce que comme vous ne le savez pas, parce que vous ne savez pas, je sais que vous ne le savez pas, mais je suis actuellement en train de préparer la séance de studio pour l'enregistrement de l'album d'Eon, qui va pas se dérouler ici au studio Péditant Chez Moi, mais qui va se dérouler au studio Art Music de Seb, parce qu'on avait envie de faire les choses encore plus grand, encore mieux, encore plus fort que, que d'habitude. Donc bah, on s'est dit, on va déléguer l'enregistrement de l'album à quelqu'un d'autre. Alors c'est bien parce que c'est un ami, c'est bien parce que le studio, je le connais par cœur, des séances de studio, j'en fais trop ou quatre parents là-bas, donc je connais ça par cœur, mais je me suis dit... Le moment est peut-être venu de vous partager certains conseils et certaines anecdotes de studio, parce que ça s'est la plupart du temps bien passé, mais pas toujours. Et il y a quand même quelques écueils que je pourrais peut-être vous aider à éviter si je vous donne une dizaine de conseils. Alors c'est un chiffre arbitraire, je me suis dit au début, tiens, il faudrait peut-être que j'en trouve dix. Puis euh, finalement euh, j'en ai trouvé 20, puis j'en ai trouvé 50, puis j'en ai trouvé un million, puis j'ai regroupé en 10, donc j'ai essayé de faire 10 conseils à peu près pour que vous soyez euh, dans une vidéo qui soit quand même assez courte. C'est la deuxième version, hein. la première faisait 35 minutes, j'ai dit non c'est pas la peine, on va faire plus court. Donc 10 conseils pour préparer une séance de studio. Faites-moi confiance, il y en a plein que j'ai tardé à appliquer, j'aurais dû savoir ça avant, ça m'aurait grandement arrangé. Donc ce que j'espère c'est que cette vidéo va vous aider à préparer vos sessions de studio le mieux possible. Allez c'est parti. C'est le moment de pas être une merde alors, le premier, je vais enfoncer une porte ouverte, mais par pitié, apprenez vos morceaux. Alors, ça a l'air con comme ça, hein. mais c'est vrai, je sais que ça a l'air con comme ça, et pourtant, c'est la pure et triste vérité. Il y a plein de gens qui vont au studio et qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont jouer, et qui sont même pas euh, proches de ce qu'ils vont jouer, qui parfois ne savent pas du tout ce qu'ils vont jouer, ou quasiment pas. Et en fait, ils se disent, oh, c'est pas grave, on verra, on fera des arrangements, je vais faire à peu près, je vais bricoler un truc et tout. Et ça, qu'on soit batteur, guitariste, bassiste, chanteur, clavier, ce que vous voulez, en fait, le problème est toujours le même. Si vous avez énormément de choses enregistrées et en général les batteurs nous on a tout l'album enregistré parce qu'on joue en permanence ou quasiment en permanence c'est pas un violon c'est pas un chant lyrique qui vient se placer je sais pas où c'est une batterie c'est tout le long et on a beaucoup 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 de musique enregistrée et si sur les 40 50 parfois même 60 minutes à enregistrer on ne sait pas exactement où on va parfois ça peut créer des gros gros problèmes donc par pitié Apprenez vos morceaux, c'est pas le mec qui est derrière la console qui va vous dire non non là c'est cette partie ou là c'est cette partie et parfois même vos potes dans votre groupe vont vous dire ouais d'habitude tu fais plus ou moins comme ça mais en fait pas tout le temps, c'est à vous de savoir ce que vous devez jouer. Donc apprenez vos morceaux par pitié, s'il vous plaît, vous allez gagner du temps et le temps en studio c'est de l'argent parce que le studio ça coûte cher. Je m'occupe de faire une belle démo. Deuxième conseil, deuxième porte ouverte enfoncée, ayez du matos qui fonctionne. Et quand je dis du matos qui fonctionne, c'est du matos qui soit en état de marche. C'est tout simple. Mais si vous avez une batterie éclatée avec des peaux mortes, avec une caisse claire qui sonne pas très bien, avec le timbre où il y a la moitié des brins qui manquent, euh, vous allez être dégoûté. Et en fait, il n'y aura pas forcément quelqu'un qui pourra pallier euh, à vos lacunes, parce que parfois au studio, certes, il y a des batteries, il y a des cymbales, il y a des pots, il y a des caisses claires, il y a des trucs, mais euh, c'est quand même à vous, a priori, d'apporter votre instrument pour que ça fonctionne. Donc ayez, par pitié, là aussi, un instrument qui soit en état de marche. Et quand je dis un instrument qui fonctionne, c'est aussi un instrument qui soit cohérent avec le son que vous avez envie de produire. Alors ça, c'est des trucs sur lesquels on va revenir par la suite, mais si vous avez une batterie vraiment faite pour le jazz avec euh, j'en sais rien moi euh, une batterie trois plis avec des renforts de chanfrein avec euh, euh, une grosse caisse de 18 vous allez avoir du mal à enregistrer euh, du classique rock avec ça va être compliqué donc ayez une batterie qui soit vraiment adaptée au style au moins de loin quoi mais je sais pas avec euh, euh, des pots euh, simples plis si vous faites du jazz euh, après chacun a son son chacun a son truc mais il y a quand même des prérequis que tout le monde connaît plus ou moins et croyez-le ou non, mais si les fabricants créent des produits pour certains styles, euh, en général, ils sont quand même assez proches de la vérité, et il y a des vérités générales qui fonctionnent quand même plutôt pas trop mal. Quand on dit que la Ludwig LM402 ça s'enregistre assez facilement avec sa colle avec à peu près n'importe quoi, bah c'est pas une connerie, en fait c'est vrai. Quand on dit qu'une caisse claire de 14 par 8 pour faire euh, du jazz tout petit tout léger, c'est peut-être pas adapté. Là aussi, c'est vrai, donc vous avez le droit de faire des détournements, vous avez le droit d'utiliser ce que vous voulez pour faire ce que vous voulez, mais il y a quand même des choses à connaître, et euh, avoir un matos qui soit adapté au son que vous désirez produire, c'est quand même pas mal, donc il faut que ce soit adapté, puis il faut que ça fonctionne, surtout faut que ça fonctionne. En fait, le pire, c'est une rotule de tom qui tient pas, ou un pied de cymbale qui tourne sur lui-même, ou une pédale de grosse caisse qui pète, ou un ressort qui marche pas, enfin, voilà, ce genre de truc, une pédale qui queen, ça c'est chiant pour tout le monde, à commencer par l'instrumentiste, donc vous, donc, par pitié, ayez du matos qui fonctionne, s'il vous plaît. Comme ça, on tranquille au studio. Troisième conseil, et c'est lié au précédent, prévoyez votre config. C'est-à-dire que si vous avez une config de batterie toute l'année avec laquelle vous êtes à l'aise, ne commencez pas à dire oui, en studio, je vais essayer de faire différemment. Ben non, c'est pas le moment de faire des expérimentations comme ça parce que vous n'avez pas le temps, en fait. Donc, prévoyez tout en amont. En fait, cette, cette vidéo, c'est pour vous dire de tout prévoir avant, en fait. Mais prévoyez tout en amont, prévoyez votre config avant. Si vous faites. 10, 12, 16, grosses caisses par là, enregistré comme ça. Ne commencez pas à vous dire, ouais, je vais mettre les cymbales plus haut, je vais mettre les cymbales machin comme ça, je vais mettre une splash en plus. Vous allez pas vous en servir si vous mettez une splash en plus. Vous allez pas vous en servir si vous mettez une China en plus à gauche. Vous allez pas vous en servir si vous mettez une deuxième ride en studio parce que vous ne le faites pas toute l'année. Il faut avoir la config avec laquelle vous êtes à l'aise en studio. Alors, je sais qu'on peut expérimenter des trucs. Pour certains passages, pour certains morceaux, pour certains, je sais pas, certaines idées qui viennent sur le moment. Mais la plupart du temps, il y a une config qui vous correspond et que vous connaissez par cœur. Parce que c'est le moment d'être à l'aise, le studio. Hein. C'est encore pire qu'un live. Hein. C'est là vous allez être jugé par des micros, par un ingé son, par vos potes, par le public, par tout le monde. Donc c'est le moment de faire la perf de votre vie à chaque fois. Donc pour faire la perf de sa vie, bah, vaut mieux être à l'aise. Et pour être à l'aise, il faut avoir une config qu'on connaît. Jouer, tous les trucs à la pense. Le quatrième conseil, quand vous préparez vos morceaux, que vous les apprenez, que vous commencez à mettre le nez vraiment dedans sérieusement pour être vraiment sûr de ce que vous allez jouer, c'est pas la peine parfois de passer des heures et des heures sur des plans avec lesquels vous êtes hyper à l'aise. Il faut simplement savoir où ils sont et simplement savoir à quel moment vous allez les sortir. Là où il faut passer du temps, c'est sur les plans sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Et là où il faut passer encore plus de temps, c'est sur l'élagage, le dégraissement. Dégraissage, je sais pas trop. Bon, enfin, c'est pareil, ouais, vous allez dégraisser. En gros, vous avez compris l'idée. Faut enlever les trucs dont vous savez très bien que ça va mal se passer. S'il y a des plans que vous n'arrivez pas du tout à jouer 15 jours avant d'aller en studio, vous n'arriverez pas mieux à les jouer le jour J. C'est impossible. Il y a plein de choses qui sont très difficiles quand on est musicien et des choses pour lesquelles on n'est pas prêt. Et par exemple pour le métal ça va être des problèmes de tempo, ça va être des problèmes de longueur de plan, ça a des problèmes d'endurance. Mais pour le jazz pareil ça va être de la vitesse. Pour le rock ça va être certains patterns, certains trucs. Enfin bref il y a... dans tous les styles c'est pareil et ça marche pour tous les instruments ça aussi c'est pareil. Pour les guitaristes si vous avez des plans de sweeping interminables et que vous n'êtes pas capable d'en passer un vraiment propre qui fait même pas le tiers de la longueur de ce que vous avez prévu vous savez très bien qu'en studio ça marchera pas. Et quand bien même vous allez tricher, quand bien même vous allez faire appel à la Mao, quand bien même vous allez faire appel au génie de l'ingénieur qui va vous produire pour réparer ce truc- là et pour finalement tant bien que mal réussir à faire un truc qui sonne à peu près d'après votre idée. Après en live, vous y arriverez pas non plus. Donc en fait, est-ce que la meilleure solution ce serait pas d'adapter votre discours à ce que vous êtes capable de produire. Moi, c'est ce que je suis en train de faire là, hein. c'est-à-dire qu'il y a certains trucs que j'aurais bien aimé faire plus violent, faire plus rapide, faire plus machin, mais il y a des choses que je suis pas capable de faire simplement parce que j'ai pas la technique nécessaire, parce que j'ai pas la vitesse nécessaire. Donc j'adapte. La chance que j'ai, c'est que Eon c'est un groupe dans lequel je joue depuis plus de 10 ans et qu'on répète toutes les semaines. Donc je sais à peu près ce qu'on fait et puis les morceaux sont composés à plusieurs et puis ils sont composés aussi en fonction des capacités de chacun. Donc forcément, c'est adapté adapter que je sais faire, mais c'est aussi l'expérience qui fait ça. cest dire que moi, je ne laisse pas euh, faire des plans de blast beat à 270 parce que je ne vais pas y arriver. Donc je leur dis non, oh, bah, 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 les gars, on va faire ça plus doucement, on va faire ça autrement, on va réagencer le morceau autrement. Mais tout ça, il faut le prévoir avant. Parce que quand vous arrivez au studio, qu'on vous demande l'impossible et que le seul argument qui existe, c'est oui, ça sonne mieux comme ça, ou oui, mais machin, il le fait. Oui, mais machin, c'est pas moi. Donc, à un moment donné, faut quand même que ce soit adapté. Donc, prévoyez ça aussi. Et quand vous êtes en train de préparer vos morceaux, focalisez sur les difficultés et les galères. S'il y en a vraiment trop galères, bah, vous les virez, vous changez le plan, vous faites autre chose, vous essayez d'adapter un peu le truc parce que sinon, vous allez pas vous en sortir et vous allez rendre fou tout le monde à commencer par vous. Vous allez bien écouter la démo. Et celui-là, il est marrant parce qu'il s'applique à tous les musiciens qui vont en studio. S'il vous plaît, je vous, en, je vous en conjure, faites les choses dans l'ordre. La batterie. Dans 99% des cas, ça s'enregistre en premier parce que les autres musiciens vont jouer dessus, en fait. Quand vous faites une guitare au clic, et qu'après vous faites la batterie sur le même clic, et que dans votre petite tête, comme ça ça mouline en disant, ah bah ben ouais, mais si c'est sur le même clic, il n'y a pas de problème. Alors en fait, c'est pas comme ça que ça marche, la musique. Parce qu'un batteur, il est jamais parfait, c'est impossible, c'est un être humain. Je sais pas, il y a un pouls, il y a un truc, il y, y a une peau, il y a des veines, il y a des os. Donc c'est un être humain, un batteur. Et il sera jamais. Pile sur le clic, ça n'existe pas, même Jeff Porcaro, il a beau être extrêmement puissant, extrêmement fort pour être sur le clic, il n'est pas pile sur le clic. Il navigue un peu autour, il joue un peu en avant, il joue un peu en arrière, et il y a certains batteurs qui le maîtrisent plus ou moins bien que d'autres. Mais il y a en tout cas une vérité sur certaines et générale, c'est que personne n'est pile sur le clic 100% du temps, ça ne marche pas. En revanche, un guitariste, les mouvements sont plus petits. Donc, c'est plus facile d'être quand même relativement pile sur le clic. Par contre, après, pour un batteur, c'est très difficile de jouer de la batterie sur un clic en espérant que ce clic et cette batterie vont être pile collés sur la guitare enregistrée sur le même clic. Je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais croyez-moi, l'idée est là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que la guitare soit faite sur la batterie qui elle-même est faite sur le clic si le but c'est d'enregistrer au clic. Vous saisissez ou pas Alors, je sais qu'il y a plein de gars qui font des albums en se disant Oui j'ai fait toutes les guitares de l'album pour que le batteur soit à l'aise et qu'il soit vraiment euh, dans le truc parce qu'il va entendre tous les arrangements, tous les solos, toutes les mélodies, etc., etc. Alors oui, c'est super, mais ces guitares, dans l'absolu, bah, faudrait les refaire en fait. Et ça, c'est un problème qu'on a eu avec Acode plusieurs fois. C'est-à-dire que, enfin sur plusieurs morceaux en tout cas, c'est-à-dire que les guitares ont été faites avant, et elles étaient tellement bien élaborées que c'était très pénible de les faire après, de les refaire, de les re-refaire, parce que ça a pris beaucoup de temps à Jérôme qui les a enregistrées. Donc il y a des choses qui ont été un peu plus éditées que prévues, parce que il faut remettre la batterie vraiment pile sur la grille à certains moments, pour que ça colle vraiment avec les riffs, alors que si les guitares avaient été refaites après, on aurait pu faire la batterie vraiment beaucoup plus free. Et on aurait remis les guitares par-dessus, ça aurait été un peu plus vivant, un peu plus humain. Bon, malheureusement, ça a été fait comme ça. Il y a des tas et des tas et des tas d'albums dans le monde, si vous saviez qui sont faits comme ça. Euh, Ou de toute façon, même la batterie, quand elle est faite en premier, elle est recalée exactement pile sur la grille. Je pense à Nile, je pense à des trucs, si vous mettez ça sur des séquenceurs, des fois c'est effrayant. Mais bon, ça marche. Hein. Donc, euh, bah voilà, bon, faites la batterie en premier. C'est pas grave, si c'est juste pas mal. Détendez-vous. Ça c'est important aussi, détendez-vous. Alors quand je dis détendez-vous, c'est-à-dire que le studio, c'est un moment très difficile, c'est un moment très chronophage, c'est un moment très énergivore, franchement c'est vraiment fatigant de faire du studio. Mais par contre, c'est un bon moment, c'est un chouette moment parce qu'on est dans des conditions qui sont super bonnes, on est avec ses potes la plupart du temps, et même quand on est un musicien de session, eh ben, on est avec des gens qui font la même chose que nous et qui ont la même passion que nous, et qui en plus nous font confiance parce qu'ils nous appellent pour jouer sur leur disque. Et c'est des moments privilégiés, ça. C'est des moments qui ne sont pas toujours fréquents. Même moi qui en fais beaucoup, j'en fais quoi des sessions J'en fais 7, 8 dans l'année. C'est énorme. À mon niveau, c'est énorme. Hein. Franchement, je suis vraiment très, très heureux. Il y a des gens qui en font des dizaines des sessions de studio, des centaines par an même. À, les, à la grande époque, les, les mecs comme Steve Lucater, il a enregistré je sais pas combien de milliers d'albums, enfin de, de chansons en tout cas. Donc en fait, il est passé en studio, il passait sa journée en studio, il en faisait 3 ou 4 par jour, peut-être fois plus même. Donc c'est des trucs qui sont. Aujourd'hui un peu des US, et maintenant quand on va en studio, c'est un moment très particulier qu'il faut choyer et dont il faut profiter. Donc avant de se mettre la rate au courbillon parce qu'on sait qu'on va avoir tel problème, tel problème, tel problème. Déjà faut commencer par aller dans le studio et se dire putain on va faire un bon truc, on va faire un chouette truc, et on va le faire à plusieurs, et c'est un sport collectif la musique dans ces cas-là, en tout cas. Il y a des gens qui vont au studio faire des albums tout seul, ça existe, mais là on parle de musique faite à plusieurs, donc profitez-en, c'est hyper important, c'est le premier truc à faire, faut profiter du studio parce que c'est un moment où la musique de votre groupe, ou la musique de l'artiste que vous accompagnez, va prendre vie. Et c'est un moment unique. Une fois qu'on a pris conscience de ça, là, on peut s'occuper de commencer à gérer les problèmes. Et gérer les problèmes, ça se fait surtout avant d'aller en studio. Mais bon, il y a des problèmes qui sont inhérents au studio une fois qu'on est sur place aussi. Mais avant tout, faut se détendre parce que c'est un bon moment, en théorie. En tout cas, moi, ça m'aide Accepter l'acceptable et refuser catégoriquement l'inacceptable. Alors, quand je vous dis accepter l'acceptable, on va se placer du point de vue des batteurs, mais c'est pareil pour les guitaristes, les bassistes, les chanteurs, etc. etc. C'est-à-dire que quand vous allez avoir vos potes ou un ingé son ou un intervenant extérieur X ou Y, je sais pas, un producteur, un impresario, un manager, n'importe quoi, qui va vous donner une idée, ne la rejetez pas en bloc si éventuellement cette idée est bonne et qu'on vous demande un truc qu'a priori vous n'avez pas envie de faire, alors que ce soit un plan à jouer, un solo à enlever, une ligne de chant à modifier, etc. Ne la rejetez pas en bloc. Si jamais cette idée peut s'étudier, des fois il faut faire appel à sa patience et il faut vraiment puiser au fond de soi-même. Parce que quand on est au studio, on est en train de bosser comme un gros taré, c'est vraiment dur des fois. Et on a une ligne de conduite qu'on s'est fixée. Et il y a quelqu'un qui vient et qui dit, ah, tiens, je te saupoudre un peu de merde sur ton truc là, parce que j'ai envie que tu fasses plutôt ça que ça. Et on n'a pas toujours la patience. Et il y a des fois, il faut avoir cette patience. Par contre, quand je vous dis de refuser l'inacceptable, c'est par exemple si vous vous êtes installé de telle manière avec votre kit que vous avez l'habitude de jouer comme ça. On va vous demander, parfois, pour un placement de micro, pour une raison de son, si vous êtes guitariste, de jouer un peu plus fort ou un peu moins fort, de baisser un peu le gain de la gratte, enfin je sais pas, des trucs comme ça. C'est très très spécifique et très particulier à chaque instrument. Il va y avoir des fois des ingé qui vont demander au bassiste de mettre un peu moins de médium sur la basse directement, qui vont lui suggérer d'utiliser une pédale. Si ça correspond aux besoins du groupe, et que vous êtes à même de le faire, bah essayez au moins. Mais si on vous demande de faire un truc comme par exemple mettre le charlet là et la caisse claire là, 50 cm en dessous, parce que c'est pratique pour mettre un micro, mais que vous ne jouez jamais comme ça, et que vous n'avez pas envie de jouer comme ça, et qu'il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison logique de le faire, à ce moment-là, faut dire, oh Coco, t'es gentil, mais c'est moi qui joue là. Donc je peux bien faire un petit compromis, mais ce que tu me demandes, je peux pas le faire. Et ça arrive assez souvent hein, que des ingé-sons disent, ouais, attends, on va plutôt le faire avec une seule grosse caisse qu'avec deux parce que je suis plus à l'aise. Euh, on va plutôt enlever un tome parce que c'est chiant à mixer. On va euh, mettre euh, la china plutôt par là que par là parce que comme ça elle sonnera mieux dans les micros. Bah mec, c'est à toi de déplacer tes micros aussi de temps en temps. Donc il y a des compromis à faire et il y a des compromis à ne pas faire aussi. Essayer d'apprendre à les différencier. C'est un peu compliqué des fois, surtout quand on n'est pas très expérimenté. Mais quand on commence à avoir un peu d'âge comme moi. On arrive à voir ce qui est justifié et ce qui l'est pas. Et quand c'est pas justifié, bah, va te faire foutre aussi. Avant bon ah, dernier conseil, jouez des choses qui vous ressemblent. Il y a des milliers de morceaux qui sont publiés chaque jour sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, partout, 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 partout. Il y a de la musique partout maintenant. Il y a même de l'intelligence artificielle qui fait de la musique toute seule. Je vous en parlerai dans pas longtemps de ça. Donc, essayez de faire de la musique qui vous ressemble. Parce que on est tous uniques, on a tous une frappe, on a tous une manière de groover, on a tous une manière de jouer, on a tous des plans qu'on aime bien, et euh, ce serait quand même dommage de coller vraiment à ce qui existe déjà. Alors je parle au niveau du jeu, mais je parle aussi au niveau du son, parce que la France est un pays très particulier, qui est parfaitement différent des États-Unis. Quand on est français, souvent, on va voir un ingé son en disant, on aime bien le son de machin, le son de truc et le son de bidule, et on aimerait bien avoir le son euh, quelque chose entre Gojira, Meshuga. Et euh, un peu dérusciateur pour la définition. En ce moment, c'est plus on aimerait bien avoir le son de périphérie, mais on aimerait bien avoir des guitares qui ressemblent au son de Hendrix, et des, mais des basses euh, un peu à la Jaco Pastorius. Non mais calmez-vous, déjà venez avec un son, vous. Venez avec un son de groupe, un son de musicien, un son de caisse claire, un son de guitare, un son d'ampli, un son de truc. Prenez votre matos. Apprenez à régler votre matos et faites-en quelque chose de... Faites-en une proposition en fait. Parce que c'est souvent quand le mec qui est derrière la console, et je le sais parce que ça m'arrive aussi, quand on est derrière la console et qu'on n'a pas de proposition, on est bien obligé, nous, d'accoucher de quelque chose. Donc il faut dire aux musiciens, ben bah, écoute, on va essayer ça. Et on va essayer ça. Tiens, j'ai un ampli. Euh, voilà, fais ça. Parce que parfois ça arrive que le mec vienne avec un son. Le son est merdique. à chier, c'est nul. Qu'est-ce que mal accordé. Enfin, c'est tout pourri. Tout pourrave. Et là on lui demande, on lui fait mais attends, ton son de merde là, c'est une démarche artistique Ou c'est parce que tu sais pas trop La plupart du temps la réponse c'est ouah je sais pas trop, j'en sais rien. Donc en fait c'est pas une démarche artistique, donc c'est à ce moment-là qu'il faut sauver les meubles. Mais quand c'est une démarche, ok, ok, j'ai un son de casclair comme ça parce que. Alors là, y a pas de problème. Par contre, j'ai un son de casclair comme ça, parce que bon, oh, tu comme ouais je sais pas trop, allez vieille, elle appartenait à mon grand-père, je Pff, Non. Alors non, donc non. Donc venez avec une proposition. Et si vous venez avec une proposition... Et les arguments pour l'appuyer en disant oui, moi je veux faire comme ça parce que voilà. Si vous avez une proposition, vous ne ferez pas le même album que tous les autres, et ça, c'est vraiment cool. Par contre, si vous avez rien en stock, et eh ben là, euh, vous allez être obligé de faire avec les recettes du mec qui va vous enregistrer la plupart du temps. Et euh, s'il a déjà fait 25 000 albums avant, eh ben il y a des grandes chances que ça ressemble un peu à ce qu'il a déjà fait. Bon, c'est un choix. Dans cette équipe, on n'est pas des merdes. Et dernier conseil, ne misez pas tout sur euh, son héros. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, un son peut être un ingesson héros, c'est-à-dire qu'il peut tout sauver, Il peut tout sauver. Il peut faire des copier-coller d'absolument tout, il peut recaler toutes les notes de batterie de la terre, il peut fabriquer celles qui n'existent pas, il peut sampler le kit si vous avez une frappe de clé claire de moule, il peut tout faire, il y a tout qui marche, tout est possible. On n'est même pas obligé de jouer correctement dans l'instrument pour faire un album, on n'est même pas obligé de jouer dans l'instrument pour faire un album, on peut juste faire des samples comme ça et tout recaler à la main, ça prend mille ans mais c'est possible. Donc si vous allez en studio, L'idée, c'est quand même qu'on entende ce que vous jouez, parce que si on n'entend rien de ce que vous jouez, et que tout est synthétique et que tout est faux, vous n'allez pouvoir miser que sur les compositions que vous avez faites, et sur éventuellement un peu de production. Mais il va manquer l'humain. Et alors, peut-être que je suis un vieux con, mais en tout cas, pour moi, quand il n'y a rien d'humain dans un disque, j'en ai rien à foutre. De ce que j'écoute, parce que je le sais en fait, je le sens, je l'entends, j'entends que ça, j'entends que c'est des machines, j'entends que c'est du programming, j'entends que c'est recalé 100%, que c'est trigué 100%, qu'il y a du sampling partout, et ça crée des albums qui pour moi se ressemblent tous et n'ont aucun intérêt puisqu'une fois qu'on l'a fait une fois, ok c'est marrant une fois, deux fois, trois fois, mais quand il y a 25 000 albums comme ça bah le 25 millième euh, qui intéresse quoi. Donc si vous allez dans un studio, l'intérêt c'est quand même qu'il y ait des micros, qu'il y ait des pots de batterie, qu'il y ait euh, des tendons, des cymbales. Parce qu'une cymbale, vous allez taper dessus euh, mille fois, elle va sonner pas toujours exactement pareil. Donc voilà, donc pensez à ça, pensez à ce qu'il y ait de l'humain dans votre disque. Parce que s'il n'y a pas d'humain dans un disque, on se fait chier. À moins que ce soit de la musique électronique et que ce soit assumé pour ça. Mais quand il y a pas d'humain dans un disque, alors que c'est joué par des humains, c'est là qu'à un moment donné, il y a un problème. On va leur en le conseil subsidiaire, et je sais qu'il concerne énormément de monde et vous allez encore dire que j'aime pas les batteries électroniques, mais préparer un album sur une batterie électronique, parfois c'est obligatoire, on n'a pas le choix et à ce moment-là, bah, il faut le faire parce que c'est ça ou rien. Mais si vous pouvez préparer un album enregistré sur une batterie acoustique avec une batterie acoustique, 20 minutes sur une batterie acoustique pour préparer un album enregistré à l'acoustique, ça vaut mieux que 10 jours sur une batterie électronique. Parce qu'une batterie électronique, il n'y a pas la frappe. Il n'y a pas euh, tous ces trucs là et vous allez pouvoir en retourner le problème dans tous les sens, mais les nuances qu'on a sur une acoustique, on ne les a toujours pas sur une électronique, notamment au niveau des cymbales. Alors oui, il vient de sortir, là, machin truc, mais non, en fait, ça marche pas. Donc si vous enregistrez sur une batterie acoustique, ce que je vous souhaite éminemment, et ce que je souhaite aussi pour le bien de l'album, parce qu'un album enregistré à la batterie électronique, c'est quand même pas fréquent, faites... Vraiment, euh, vos préparations sur une batterie acoustique. Ça veut pas dire faites la cuisine sur la caisse claire, pas du tout. Faites vos préparations, ok euh, Sur euh, une batterie acoustique, c'est hyper important. Voilà. Je j'en je, démordrai pas, je suis désolé. <laughs> bon, allez euh, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait La semaine prochaine, normalement, il y a une interview de Simon Phillips. C'est incroyable. Je suis à la recherche d'une intelligence artificielle pour créer des sous-titres à ma place. Parce que, non, je déconne, c'est pas vrai, je vais le faire à la main, mais ça va me prendre mille ans parce que l'interview dure 35 minutes. On parle de plein de sujets passionnants qu'il aborde pas souvent. On parle de la fin de Toto, de sa lassitude depuis qu'il est sur scène parce que ça fait quand même plus de 50 ans qu'il est sur scène. Donc, forcément, il est plutôt frais mentalement, mais il arrive encore à trouver des ressorts psychologiques pour continuer son activité. Et puis, quel batteur extraordinaire On va parler de son, on va parler de plein de trucs, on va même parler de de Virgil Donati et du jour où il lui a dit euh, Alors, c'est bien, Virgile, hein, je vais pas t'apprendre à jouer de la batterie. Par contre, ce serait bien que tu changes ta peau de grosse caisse parce que là, t'as vraiment un son de grosse caisse de merde. Je vous jure que cette anecdote est vraie. Il m'a raconté ça, j'étais comme ça, j'ai dit Sérieux Ouais, il... <laughs> ah ouais. Simon Phillips, ouais, Un mec incroyable d'une gentillesse folle que j'ai interviewé grâce à Buddy Drum Shop. Buddy Drum Shop, si vous avez du matos à acheter, allez-y avec le code French Grip sur le site internet. Vous avez 5% de réduction sur tout le site de la paire de baguettes Vic First Nova à 5 balles jusqu'à la batterie Varus à 4500 euros. Donc, n'hésitez pas, 5% de réduction toute l'année, c'est grâce à Bibi, donc faites vous plaisir, enfin, c'est grâce à Bibi, c'est grâce à eux surtout. Donc merci à Buddy Drum Shop. Allez, abonnez-vous, activez la cloche, faites tous ces trucs, et puis euh, dans 15 jours, 3 semaines, on est en studio avec Eon, vous allez avoir une vidéo par jour, ça va être incroyable.